Spectral News, on est une web TV sur le paranormal, la voyance, la médiumnité. Pourrions-nous vous faire une petite voyance? Oui, je crois pas, oui. Très bien, vous vous appelez comment? Mégane. Mégane, votre jour et mois de naissance? 18 mars. 18 mars, d'accord, très bien. Vous voulez une petite voyance sur le sentimental, le professionnel? Sentimental. Le sentimental, très bien. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 9. 4. 4. Là, pour le moment, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous structurer au niveau sentimental. Il y a un manque de structure, d'accord. Par contre, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, déjà. C'est bien le cas? Oui, c'est ça. D'accord. Quel est son prénom? Jonathan. Jonathan, quel est son âge ou son jour et mois de naissance? 13 juin. D'accord. Donnez-moi le chiffre entre 1 et 9, encore pour vous deux. 8. 8. Alors, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui avance. Ça avance. Il y a eu du mal. Ça a eu un petit peu du mal au départ pour vraiment qu'il y ait vraiment une connexion. Alors, moi, je ressens quand même de très, très bonnes énergies par rapport à vous deux. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit peu de distance. C'est quoi cette distance? Ben, je sais pas. Oui, il y a eu des petits problèmes, mais rien de très, très grave. Enfin, rien de très méchant. C'est une petite distance. D'accord, très bien. Elle est assez récente? Ouais, un peu. C'est pour ça que je sentais un petit peu ces distances. En tout cas, sachez que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se mettre en place entre vous deux. Et ça pourra aller vraiment sur quelque chose de beaucoup plus officiel entre vous deux. Parce que je vois déjà qu'on a déjà des projets en cours, des projets qui vont se mettre en place. Et il y a également un projet pour moi qui peut se mettre en place d'ici 2-3 ans sur un bébé. Ouf! Ça fait tôt, mais pourquoi pas? Voilà, bon, en tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à vous. En tout cas, je sens beaucoup de choses, beaucoup d'énergie positive par rapport à vous. Et donc, c'est Jonathan, c'est ça. Et bah, écoutez, pour moi, ça va fonctionner, votre couple. Pour toi, c'est un couple qui fonctionne. J'ai un chiffre de 2 ans. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Ben, ça fait bientôt 2 ans qu'on se connaît. Voilà, d'accord. Parce que j'avais le chiffre 2 qui arrivait tout de suite là sur moi par rapport à vous deux. Bon, voilà. Mais tout en tout cas, plein de bonnes choses parce que pour moi, c'est quelque chose, une affaire qui va très très bien fonctionner. Et ben, voilà, je vous envoie toutes mes énergies positives. Mais en tout cas, ça va fonctionner. D'accord, merci, c'est très gentil. Je vous en prie. Bonjour Mégane. Bonjour. Donc moi je voudrais juste avoir vos impressions sur la voyance qu'il vous a donnée à l'instant. Ben, c'est bien joué parce que le chiffre 2, ben, il l'a bien sorti. Ça m'a laissé bête du coup. Voilà, ouais, c'est bien, il a deviné que j'avais quelqu'un sans que je lui dise. C'est bien joué. Ouais. Voilà. Merci à vous. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Kylie, je suis voyant médium. Est-ce qu'on peut vous faire une petite voyance? Il n'y a pas de souci. Très bien. Comment vous vous appelez? Kevin. Kevin, votre jour et mois de naissance? 13 avril. 13 avril, très bien. Vous voulez une voyance sur quoi? Sentimental, professionnel, financier? Professionnel. D'accord. Je suis en recherche d'emploi, donc c'est pour ça. C'est ça, à moi de vous dire tout. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 9 par rapport à votre professionnel. 7. 7. Alors moi, je sens déjà qu'il y a déjà eu déjà des choses entamées par rapport à votre procédure, par rapport au professionnel. Je sens des entretiens, d'accord, qui vont venir. Il y a des entretiens qui vont venir. Par contre, ça va mettre un petit peu de temps. Par contre, il y a déjà quelque chose, il y a un contact déjà qui est là. Et pour moi, il y a déjà quelque chose par rapport à une réponse. Oui, j'ai eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Ah ben voilà. Demain, un chiffre entre 1 et 9. Mais vous pensez bien à cet entretien pour voir si c'est positif ou négatif. 6. 6. Alors, pour moi, c'est marrant par rapport à ça. Moi, si on me montre, c'est qu'il y a une opportunité. Donc, cette opportunité, elle est là. C'est comme si c'était quelque chose qui vous est tombé un petit peu comme ça, inattendu. Et pour moi, quelque chose de positif. Par contre, on me dit qu'il y a un choix à faire par rapport à cet emploi. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous convient pas tout à fait comme vous voudriez. C'est ça, parce que moi, là-bas, je suis plombier. Mais vu que là, c'est difficile avec le travail, ben, on prend tout ce qui vient. Hein. Tout à fait, ça je comprends tout à fait. Parce que pour moi, vous allez avoir une autre opportunité. Donc pour moi, celui-là, il peut être positif, mais il y aura quelque chose d'autre. Et par contre, ce sera dans votre domaine professionnel. D'accord. Voilà. Par rapport à tout ça également, pour moi, j'ai une notion de 3 ans. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté, que vous êtes en arrêt professionnel? Bah, j'ai arrêté récemment, mais ça fait 3 ans que je ne fais plus de plomberie. D'accord, voilà, pour le chiffre 3 ans. D'accord, ben c'est parfait. Mais écoutez, j'espère que vous avez été ravi pour cette petite tour de voyance. Bah oui, bien sûr. Super, je vous remercie. Bonjour Kevin. Bonjour. Pouvez-vous me dire un petit peu les impressions que vous avez par rapport à la voyance que vous avez eue tout à l'heure? Ben moi qui suis intéressé par tout ce qui est paranormal, franchement c'est assez impressionnant. Parce qu'on ne s'attend pas à avoir quelqu'un qui va nous dire directement comme ça quelque chose qui est vrai en plus. Uh-huh. Et c'est impressionnant, donc voilà, c'est impressionnant. Moi je suis bouche bée. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Bonne fin de journée. Merci aussi. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Je me présente, je suis Kylie, je suis médium, voyant. Pourrions-nous vous faire une petite voyance? Oui, il y a un souci. D'accord, votre jour et mois de naissance? Donc c'est juillet et 12 juillet. D'accord, 12 juillet.
Votre prénom ? Ophélie. Ophélie, enchantée Ophélie. Vous me direz ton regard de toi, de quel domaine ? Sentimental, professionnel, financier ? Professionnel. Professionnel, d'accord. Donc professionnel, vous allez couper donc le jeu hein, avec votre main gauche, la main du cœur. Ouais. D'accord, c'est important. Allez-y, couper le jeu, main gauche. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a des attentes. C'est comme si là, quelque part, il y avait une notion de que vous êtes déjà quelque part et qu'il y a comme une comme des rentrées d'argent. Vous êtes en intérim, quelque chose comme ça ? Je travaille en fait en périscolaire. D'accord, très bien. Voilà. Parce qu'on avait quelque chose justement par rapport à ça. Il y avait une notion de petite rentrée d'argent. Voilà, vous étiez déjà dans un poste, mais avec des petites rentrées d'argent. Comme si ce n'était pas un poste, c'est vraiment un CDI. Quoi. C'était pas un CDI qu'on avait. D'accord ? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, entre 1 et 9 maintenant pour votre futur professionnel ? 4. 4. Alors, vous allez être vraiment très, très structuré. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de carré, d'accord, déjà à la base. Vous savez ce que vous savez où vous voulez aller. Okay. Et il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Par contre, on me dit que ça va mettre encore un petit peu de temps pour vraiment vous cadrer bien. On me parle d'un chiffre de 2 ans. 2 ans à peu près. Donc vous avez encore combien d'années d'études encore dans votre par rapport à vos diplômes? Là j'ai pas en fait d'études pour le moment donc D'accord. Pourtant on me parle d'un chiffre de 2 ans, si vous avez une idée à peu près. Non, pas du tout. Non, d'accord. Mettez ça en tête parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se mettra en place pour vous d'ici 2 ans. Donc certainement un CDI. D'accord. En attendant, c'est des petits boulots. Si on voit que là, il va y avoir des petites rentrées d'argent, des petits trucs, on va dire que c'est un peu alimentaire, on va dire. Hein, d'accord. C'est toujours un petit peu alimentaire. Mais en tout cas, pour moi, je vois vraiment quelque chose qui va vraiment bien se structurer. Et il y a quand même quelque derrière une belle réussite parce que vous êtes quelqu'un quand même d'intelligente, d'assez vif et on vous sent assez polyvalente. D'accord. Capable de faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà ce qui ressort. Voilà. Écoutez, merci pour nickel, tout. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour Ophélie. Bonjour. J'ai besoin d'un petit peu d'informations. Oui. Vos ressentis par rapport à la voyance que vous avez eue à l'instant? Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on lui a rien dit du coup et il arrive quand même à nous dire un peu ce qu'on vit justement. Donc non, c'est bien, hein, c'est du bon d'ailleurs de faire du bon travail, ouais. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Il y a pas de mal. Bonjour. Enchanté, je suis Kailis, je suis médium voyant. On vient donc pour Spet News, une web TV. Est-ce que éventuellement une petite voyance vous seriez intéressé? Oui, bien sûr. D'accord. Votre prénom? Marie. Marie, très joli prénom. C'est le prénom en plus de ça de ma maman. Merci beaucoup. De rien. Alors, vous voulez quel domaine? Sentimental, professionnel, financier ou autre? Je dois changer à combien? Un seul ou... Pour le moment, un, après on verra. Bah, sentimental. Sentimental. Vous allez me donner un chiffre entre 1 et 9 en pensant à votre sentimental? 9. 9. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de solitude autour de vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez un petit peu en retrait par rapport à certaines choses. On dirait que quelque part, c'est comme si vous aviez subi, il n'y a pas si longtemps de ça, une rupture, quelque chose qui vous a un petit peu cassé au niveau sentimental. Pour l'instant, j'ai pas la rupture, donc. Mais bon, j'ai eu une rupture avant, effectivement, oui. D'accord. Est-ce que cette rupture-là, a à peu près un délai à peu près de 4-5 ans? À peu près, oui, effectivement. D'accord. Donc c'est celle-là et ça, c'est quelque chose qui vous a très très marqué quand même. Donc ça a été marquant pour vous, c'est une image vraiment qui a été un petit peu dure. Mais là, on sent que par rapport à la personne avec qui vous êtes, il y a comme une forme d'introspection. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un petit peu de recul par rapport à ce personnage. C'est comme si quelque part, vous n'étiez pas. Peut-être pas sûr encore vraiment de son amour, de ses sentiments. Oui, effectivement, c'est bien ça. D'accord. Vous allez me redonner un autre chiffre entre 1 et 9 par rapport à votre futur maintenant sentimental. Avec comment il s'appelle? Tarek. Avec Tarek. 5. Alors, rassurez-vous, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui va se stabiliser en mieux. D'accord, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à ce personnage, il y a quelque chose, il va y avoir quand même pour moi quand même aussi une officialisation quelque part. Donc ça peut être un pass ou un mariage même, mais quelque chose qui va vraiment s'officialiser dans le temps. Il va falloir quand même qu'il soit prêt parce que je ne le sens pas encore totalement prêt vraiment à s'investir à 100%. Mais cela viendra. Il faut juste laisser un petit peu de temps, mais honnêtement ça viendra. C'est quelqu'un qui, l'air de rien peut-être, vous avez peut-être des petits doutes par rapport à certaines choses. C'est quelqu'un qui a quand même des sentiments par rapport à vous. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà. Merci. Une autre question peut-être, allez, on fait un pour madame. Une autre question sur un autre domaine si vous voulez? Financière. Ah, de financier. Allez, donnez-moi un chiffre entre 1 et 9. 2. 2. Alors, par rapport au financier, c'est un peu ritrac. Hein. On sent quand même que c'est pas toujours évident. Et c'est comme si quelque part, on avait contracté certaines dettes. En fait, c'est comme si on avait contracté certaines dettes. On doit des choses à des gens. Donc ça peut être peut-être à, je sais pas, des trucs de crédit ou autre. Mais il y a quand même un dû qu'on doit à certaines personnes. Il y a une amélioration à venir dans les 1 an. Quand même au niveau financier, une amélioration à venir dans les 1 an. Il faut être patiente, mais il va falloir essayer de se structurer un petit peu mieux au niveau de ses dépenses. Vous êtes quelqu'un quand même qui est quand même assez carré à ce niveau-là. Mais il va falloir encore être un peu plus carré et resserrer un petit peu les vis.
D'accord, effectivement, oui. Voilà. Vos impressions par rapport à la petite séance de médium que vous avez eue? Effectivement, tout ce qu'il m'a dit, c'est vrai, donc génial. Bah, ça me fait un peu bizarre déjà, j'arrive à Toulon comme ça, je viens ici, et puis j'ai une voyance qui me dit exactement tout ce que je voulais savoir. Hein. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Y a pas de... Bon après-midi. Merci vous aussi. Bonjour, enchanté, je suis Kaïdis, médium voyant. Vous vous appelez comment? René. René, enchanté. Votre jour et mois de naissance? Le 27-07. Très bien. Vous vouliez qu'on aborde quel domaine? Le sentimental, le professionnel, le financier? Financier. Financier. Vous allez me donner un chiffre entre 1 et 9 en pensant à votre financier? 8. 8. Alors par rapport à votre financier, si on ressent, c'est qu'il y a de l'attente par rapport à quelque chose. Comme si là vous étiez en attente par rapport à quelque chose au niveau des finances. Pour moi, il y a une arrivée d'argent. Il y allait avoir une rentrée d'argent qui allait se mettre en place d'ici quelques mois. D'accord? C'est une attente. C'est marrant, c'est toujours ce qui est. C'est comme un dû qu'on vous doit ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça que je le ressens. Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. D'accord. Donc pour moi, il y a vraiment cette rentrée qui arrive là d'ici quelques mois. J'ai quelques mois sur ça. Par rapport à ça, c'est quelque chose qui... C'est marrant, ça tarde. C'est quelque chose vraiment qui tarde. Donnez-moi un autre chiffre entre 1 et 9. 2. 2. C'est comme si c'était quelque chose qui était un petit peu caché. Vous voyez? Comme si on s'était un petit peu estondé. Comme si on voulait... J'ai vraiment de cacher des choses un petit peu longs à venir à ce niveau-là. Oui. C'est par rapport à toi. Par rapport à? C'est par rapport à toi exactement. C'est-à-dire quelle demande? La demande financière? Oui, financière, ouais. L'argent là que je ressens, qui est là, qui est en attente. Parce que j'ai de gros soucis d'argent et oui, il y a quelque chose qui doit se déclencher d'ici. Alors ça va se déclencher, mais ça demande encore quelques mois. D'accord? Moi j'ai un délai à peu près de 3-4 mois. D'accord? On me parle de 3-4 mois par rapport à un délai, par rapport à quelque chose qui est quand même latent, qui tarde un petit peu par rapport à ce que justement vous auriez dû avoir. D'accord? Mais ça se débloque et ça arrive d'ici 3-4 mois à peu près. Très bien. Voyance avec Kaïdis. Oui, oui. Vous allez voir vos impressions maintenant. Alors, ce qui s'est passé, ce que vous aviez tout ça. Mes impressions, c'est que c'est d'une logique psychologique, mais en même temps, c'est précis ce qu'il a dit. Donc oui, c'est plutôt positif. Très bien. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Merci. Bonjour, je suis Kaïdis, médium voyant. Vous vous appelez comment? Alexis. Très bien. Votre jour et mois de naissance? Alors, c'est le 7 juillet 88. D'accord, 7 juillet. Très bien, parfait. Et j'aimerais savoir, vous voulez savoir toi, sur quel domaine? Professionnel, financier, sentimental? Plutôt professionnel, on va dire. Professionnel. Alors, vous allez me donner un chiffre entre 1 et 22. Je vais dire 16. Alors, là, j'ai l'impression que vous êtes en rupture au niveau professionnel. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a eu une cassure à un moment donné par rapport à votre professionnel. Là, je parle un petit peu du passé, pas du présent actuel. Du passé et présent actuel, d'accord? Pas du futur. Là, on sent comme une sorte de rupture, comme un changement dans votre vie par rapport au côté professionnel. On a envie de faire autre chose. On a envie de mettre en place quelque chose de nouveau et de neuf. Est-ce que ça vous parle? Oui, tout à fait. D'accord. Maintenant, vous allez me redonner un autre chiffre entre 1 et 22 pour voir un peu votre futur professionnel. Je dirais le 17. 17. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va apparaître sur vous. C'est vrai, ça va être avec de la lenteur, mais pour moi, c'est vraiment le soleil, l'ensoleillement, vraiment de la nouveauté. Et avec quelque chose qui vous intéresse et que vous cherchez depuis un petit moment. D'accord? Alors, sur vous, c'est marrant, moi, on me parle beaucoup d'audiovisuel. Alors, vous avez peut-être une caméra. Vous voulez travailler dans quoi? Là, pour l'instant, je suis étudiant en journalisme. Et après, c'est vrai que j'ai envie de changer et de repartir vers le cinéma et l'écriture. Voilà, parce que moi j'avais l'audiovisuel sur vous, d'accord, par rapport à vos souhaits professionnels. Je sais aussi s'il se fera et s'il se mettra en place. Et vraiment, j'ai la notion. Alors par contre, pas d'acteur, d'accord, excusez-moi. Peut-être c'est ça que vous voulez faire. Moi, j'ai pas vraiment la notion d'acteur, j'ai plus une notion de mettre en scène, faire des choses un peu comme ça. Vous voyez, plus d'être acteur devant les caméras, plus une notion de mettre en scène, de voilà, quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça. J'aime pas trop vraiment être devant la caméra. Sauf si je suis obligé, mais ouais, je préfère plutôt être derrière, être plutôt dans l'ombre, on va dire. Tout à fait. En tout cas, ça va se faire, d'accord. Par contre, ça va demander encore un petit peu de temps. Mais pour moi, il y a vraiment de belles choses pour vous. Et pour moi, il y a quand même la réussite professionnelle sur ça, sur vous. D'accord? D'accord, ben merci. Bon,
Bonjour. Bonjour. Un petit peu vos ressentis sur la voyance. Je suis assez impressionné parce que tout ce qu'il a dit, c'est vrai, j'y pense beaucoup en ce moment. Je sais pas trop quoi dire, je suis un peu surpris, mais ouais, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnu. PMU quoi. Plutôt surpris, on va dire. Plutôt surpris. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, enchanté, je suis Kailis, médium voyant. Vous vous appelez comment ? Esther. Esther, enchanté, votre jour et mois de naissance ? Je suis née le 13 avril 1989. 13 avril, très bien. Estelle, en quoi voulez-vous ton regard ? Professionnel, financier, sentimental ? Professionnel. Professionnel, très bien. Je vous ai donné un chiffre entre 1 et 22 par rapport à votre professionnel. 3. 3. Là, il y a quelque chose de naissant sur vous au niveau professionnel, quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, d'accord ? C'est quelque chose qui est là, qui est présent, c'est plus vraiment vers le passé, c'est plus vers le présent, qui est en train vraiment d'émerger, de se mettre en place. C'est progressif, c'est comme si c'était quelque chose qui a... Vous avez mis du temps, en fait, hein, avant que ça commence un petit peu à apparaître, à naître, on va dire, un peu. Vous direz, c'est un peu comme un bébé que vous attendiez depuis un petit moment, d'accord ? Et pour moi, c'est en train de véritablement se mettre en place, c'est quelque chose qui se fera, dans des délais également convenus que vous vous étiez mis. Alors, je suis déjà sur la bonne voie ? Oh oui. Très bien, vous avez donné un autre chiffre entre 1 et 22, toujours pour le professionnel. 10. 10. En même temps, s'il ressort par rapport à vous, c'est comme si cette chose que vous êtes en train de mettre en place est un tournant dans votre vie. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment en train d'émerger, mais qui est vraiment un tournant en fait. C'est comme si ça allait changer quelque part un petit peu votre façon de voir les choses et surtout votre professionnel. C'est quelque chose, pour moi, c'est comme si vous n'aviez jamais fait ce que vous allez faire là, et c'est vraiment du nouveau. Et c'est quelque chose qui est positif parce que ça va vraiment vous embellir votre vie, et même au niveau financier, c'est également intéressant. C'est quelque chose qui va être très très intéressant pour vous également au niveau financier. Donc moi, je vous encourage, au contraire, de continuer parce que c'est quelque chose qui va fonctionner. D'accord. Voilà. Ben écoutez, merci bien et puis je vous laisse et à très vite. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Ben, je vais juste vous questionner un petit peu sur les ressentis que vous avez eu par rapport à la séance de médium que vous avez fait. J'ai trouvé ça super intéressant. Parce que moi, tout ça, le paranormal, même la voyance, ça m'intéresse. Et il m'a bluffé. À ce point-là ? Ouais. Ouais. Parce que tout ce qu'il m'a dit sur ma situation professionnelle, c'est ce qui se passe actuellement. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonjour, enchanté. Je me présente, je suis Kailis, médium voyant. Vous vous appelez comment ? Thérèse. Thérèse, enchantée. Votre jour et mois de naissance ? 13 janvier 76. 13 janvier, très bien. En quoi vous voulez qu'on traite ? On voulait qu'on traite quel domaine ? Sentimental, professionnel, financier ? Sentimental. Sentimental, très bien. Vous allez me donner un chiffre entre 1 et 22 ? 13 et 7. Deux chiffres, d'accord. Très bien. Alors là, ce qui me ressort par rapport à vous, c'est déjà une rupture. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une rupture dans le passé. Il n'y a pas si longtemps de ça non plus, hein. Il n'y a pas plus de 10 ans. Pour moi, j'ai toujours ce même qui peut avoir un attrait à peu près entre 3 et 4 ans à peu près maximum par rapport à une rupture. C'est toujours vraiment c'était très tranchant dans votre vie, d'accord. Assez dur également à supporter. Maintenant, pour moi, il y a des choses qui vont se remettre en place par rapport à vous sentimentales. C'est marrant, c'est comme si j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage. Oui, c'est vrai que ça. Oui. Et là, je ressens une personne par rapport à votre entourage. C'est qui cette personne ? Ben, c'est une personne, mais que... À mon avis, ça doit être mon ex-mari. Son prénom ? Son prénom. Bernard. Bernard. Bernard, Bernard, Bernard. Il essaie de revenir. C'est quelqu'un qui essaie de revenir à la charge, c'est quelqu'un qui a encore des sentiments par rapport à vous. Mais il y a eu pas mal d'incompréhensions entre vous deux, il y a eu des incompréhensions, il y a eu pas mal d'erreurs de commises de son côté à lui, d'accord, pas mal d'erreurs de commises. Maintenant, c'est quelqu'un qui va encore essayer quand même de venir à la charge. Après, c'est votre choix de... Voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est quelqu'un d'autre que je voulais voir, justement. Donnez-moi le prénom de la nouvelle. C'est Sylvain. Sylvain. Demain, chiffre 3 et 22 pour Sylvain. 13. Oh, ben c'est un grand tournant dans votre vie de Sylvain. Sylvain, c'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui va d'ailleurs réussir à vous faire passer quelque chose de nouveau par rapport à l'ancien. C'est-à-dire qu'il va réussir un petit peu à couper le lien que vous avez avec votre ancien compagnon. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Voilà. C'est quelqu'un qui va véritablement transformer un petit peu votre vie et qui va réussir. En fait, c'est un passage obligé pour vous dans votre chemin de vie par rapport à ce Sylvain qui va, lui, vous faire, en fait, allez, c'est un grand mot, mais un petit peu vraiment oublier
votre passé pour aller dans du renouveau et du neuf. Je peux pas vous dire que ça va être la personne avec qui vous allez faire votre vie, non, ça je ne le ressens pas comme ça. Maintenant, c'est une personne qui a sûrement une importance par rapport à vous de votre côté sentimental. Et il y a quelque chose qui peut se mettre en place, mais on me dit que ça a déjà commencé. Oui, c'est vrai, mais bon, ça fait un bon moment que je ne le vois plus, alors c'est vrai qu'il y a eu... une grosse coupure. Voilà, maintenant, ces personnes-là, quand même, vous aurez des contacts, il faut le savoir, d'accord, vous aurez des contacts, mais comme je vous dis, malheureusement, je ne sens pas, c'est la personne avec qui vous allez faire voilà, votre vie. Oui. Maintenant, c'est quelqu'un qui était de passage obligé pour pouvoir casser un petit peu votre passé avec l'autre personne, d'accord? D'accord, ben, je vous remercie beaucoup, parce que c'est vrai. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je vais vous voir justement pour savoir les ressentis que vous avez par rapport à... C'est intéressant et en plus c'est vrai, tout ce qu'il a pu me dire, vraiment c'est un bon voyant. Et voilà, c'est vrai que ça m'a bien plu. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous aussi. Thank you.